Donc ici, nous sommes sur l'ancien chantier naval qui se situe dans le Var. C'était le plus important à l'époque au niveau national. Ici ont été créées 1944 coques de méthaniers pétroliers offshore. Enfin, bref, énormément de bateaux différents. À savoir, ici ça a été construit en 1887 et l'usine a fermé en 1989. Et là, ce n'est qu'une partie, puisqu'à l'époque, ça allait jusqu'à 1,5 km sur le front de mer. Incroyable. Aussi savoir que ce chantier employait 4000 ouvriers, ce qui était bénéfique à la ville, et la fermeture en 1989 engendra une crise sociale et financière. Je ne suis pas confiant à ce morceau de bois. On aperçoit ici les passerelles qui étaient mobiles. Il faut savoir que ce chantier naval, en 1944, les Allemands l'ont fortement détruit. Mais juste après la guerre, les Français, ici à la Seine, ont même agrandi ce chantier naval jusqu'à 250 000 hectares.